forces armées au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, magazine qui vous donne des informations politiques, sociales et économiques tous les jours sur notre chaîne. Nous vous disons bonjour, bonsoir et merci de nous renouveler encore une fois votre confiance. Nous sommes là encore ce soir pour échanger autour des informations essentielles du pays. Vous avez droit, vous avez besoin de connaître ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui. Alors, merci de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour discuter autour de ces informations essentielles du pays. Alors, commençons par d'autres questions. Je voudrais ici appeler les uns et les autres à soutenir cette personne. Il s'agit ici de cette personne qui est congolaise de père et de mère, qui se nomme Deborah Kayembe. Voici les affiches que nous avons conçues. Soutenons Deborah Kayembe. Chers amis, retenez ces noms. Mettez quelque part. Je dois vous dire quelque chose là-dessus. Si nous avons fait ces appels, disons, cet appel soutenant Deborah Kayembe, il y a une raison. La raison est que... notre sœur Deborah Kayembe est victime, les lois sont victimes, il y a guerre moko qui n'a pas son nom entre Yé na Rwanda. J'ai toujours eu na yokara toujours mon bololo pour na kotsolola ko tanga kombo ya pays wana, puisque c'est un pays qui ne représente rien, qui n'est rien du tout. Mais vu tout ce qui se passe, tellement que Totika l'a tellement éveillé, tellement averti dans Makambotel et RDC, partout à Kotanga Kombo Nabiso, à Kokuta Biso. Donc, j'ai vu quelqu'un nous dire, mais pourquoi toujours le Rwanda, le Rwanda? Je réponds et j'ai toujours gardé ma position. On n'a rien à foutre avec l'Angola, alors qu'on est des voisins. On n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville, on est des voisins. On n'a rien à voir avec la République centrafricaine, on est des voisins. On n'a rien à voir avec le Sud-Soudan, on est des voisins. On n'a rien à voir avec... on a à voir avec un pays qui, de par sa petite malignité, veut faire de notre pays son pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et dans cette catégorie de ces pays-là, tous on appelle Rwanda, c'est pourquoi nous parlons de lui. Et les jours où le Rwanda va abandonner, tourner son dos vers la RDC et s'occuper de ses histoires, nous aussi, nous allons nous occuper de nos histoires. D'abord, les activités du Rwanda, c'est en Kinyarwanda. Nous, on n'a rien à foutre. Je ne peux pas passer mon temps, 60 minutes, en train de suivre une émission en Kinyarwanda, même si il parle de manne qui tombe au ciel au Rwanda. C'est la même chose. Les jours où le Rwanda tournera son dos vers la RDC, à Talima Kabunaye, et ils font une semaine sans citer la RDC, sans penser à qui quoi que ce soit en RDC, je m'éterrai tout simplement. Et puis, bon, tu as là, quoi, yo, quand aïté, n'a zotan, à kombo, ya, ninouan. Alors, arrêtez d'amplifier les choses. Et si, quand tu as écouté, l'intention, t'es à quoi, comme à niveau, ce n'est pas pour donner de valeur à ces petits pays, c'est pour montrer à ces pays que nous te voyons. Arrête ce que tu fais. Les jours où il arrêtera, nous allons nous taire. C'est clair, simple. Alors, notre sœur est victime. Il y a guerre maintenant. Sœur Nabiso, Deborah Kayembe, rectrice, s'il faut le dire ainsi, na université Moko, na Angleterre.
C'est quoi le nom de l'université? Je dois chercher ça ici. Peut-être vous pouvez me partager le nom de l'université. Je cherche encore une publication que j'avais placée quelque part. Alors, les partenaires, vous êtes là? Oui, je vous vois, vous êtes là. Alors, je dois retrouver les noms de l'université. Là où notre sœur est, je voudrais vraiment vous expliquer un peu. Là où notre sœur se retrouve aujourd'hui, Esa place Moko, depuis que ce monde existe, depuis que cette université-là existe, un noir n'a jamais pris la tête de l'université. Un noir n'a jamais pris la tête de l'université. Et la première personne noire, c'est notre sœur. Elle a donné un avis sur la position du Rwanda, qui est entre autres sur les génocides qu'aujourd'hui les Rwandais, bon, c'est pas seulement aujourd'hui, même dans cette émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer cette question, il y a génocide, comment les choses évoluent. Alors, Université Edinburgh, ok, précieuse, merci, merci beaucoup. Ngiekama, merci beaucoup, cher précieux. Merci beaucoup, Roger Ngandou. Et puis, tout le monde, en tout cas, merci. Vous avez toujours été tellement près que émission Oyo. Et l'Enguinango Yangwana. J'aime bien ça. Alors, University. Donc, Université de Edinburgh. Si je prononce bien. C'est la première personne noire. Puisqu'elle a émis un vœu de condamner l'utilisation de cette histoire du Rwanda, les Rwandais, à travers son ambassadeur, sali déjà guerre pour demander, sali pétition, Senga, Sœur Nabissou, a démissionné à l'université Sikazali, à Longwa. Pourquoi? Puisqu'il a touché les Rwandais. Alors, chers amis, est-ce que vous allez vous laisser intimider par ces 12 millions de personnes sur base face à 100 millions de personnes? Les gens qui vont signer cette pétition à Rwanda pour faire partir notre sœur, Soki c'est 12 millions de leur population. Mais Bissot, Soki t'a signé pétition à Bissot, Soki t'a Mouké, c'est 100 millions. Donc, monsieur l'ambassadeur rwandais, vous qui êtes en train de suivre cette émission à partir de l'Angleterre, vous êtes en train de vous battre. Donc, c'est une guerre entre un éléphant et un crapaud. Vous devez mettre ça en tête. Non, à l'époque, on ne pouvait pas vous dire ça. Aujourd'hui, nous vous le disons. La guerre que vous engagez entre les Rwandais et la RDC derrière notre sœur, Déborah Kayembe, c'est une guerre entre un éléphant, la RDC, et un crapaud, les Rwandais. Ceux qui vous ont mis balle, faites partir notre sœur. Chers amis, ne restons seulement pas dans des paroles. Les Rwandais, à travers son ambassadeur en Angleterre, vous savez que l'Angleterre est les parrains du Rwanda. Je crois vous avoir expliqué. Ils peuvent accepter ces mouvements rwandais pour faire partir notre sœur de son poste de l'université. Alors qu'elle a mérité ça. Elle s'est défendue. Elle est toujours brillante. Et elle ne peut pas quitter puisque elle a touché, elle a parlé du Rwanda. Elle a parlé du génocide au Rwanda, elle a parlé de l'influence du Rwanda, de l'implication du Rwanda dans les tueries de la RDC. Et aujourd'hui, elle peut partir, Bissotovan, les bras croisés comme ça. Montrons au Rwanda qu'il est petit. Et par les stratégies, et par la population, et par l'énergie même, par notre connaissance. Moi, je n'ai jamais eu peur d'un Rwandais. Moi, Bissot na classe, Bissomibal. Total, qui sera Liboso Motomosos? Mais entre nous, il faut trouver un peu de vérité. Totangi classe du début à la fin. Bon, total. Ils viennent, quand ils sont à l'université de Kinshasa, ils quittent chez eux, chers amis, là où tout Congolais, Tokoza la Mabé partout. Mais là où les Congolais se retrouvent, même ici, dans des classes. Il y en a qui me disent, comment vous avez étudié chez vous? Tout Congolais ici, dans la classe, basa toujours parmi les 10 premières personnes. Un jour, c'est une parenthèse, je pose la question, il me pose la question, dans quelles conditions vous avez étudié? Apparemment, en tout cas, tu y es. Je dis, si je vous raconte les conditions dans lesquelles moi j'étudie, si j'avais étudié dans vos universités ici, je serais le président des États-Unis d'Amérique. Bagang Balobi, mais regarde, c'est lui, il est fou. J'ai dit oui.
Et c'est ça ce que nous disons même par autour de tous les pays limitrophes. En tout cas, dans mon été, côté beaucoup, tu vas en débiter mi balé. En tout cas, donc, ne laissez pas l'occasion au Rwanda de pouvoir prendre la victoire sur notre sœur. Chers amis, ça sera une honte. Voilà pourquoi les Congolais ont initié cette pétition. Les Rwandais, je compte que les Rwandais ont 12 millions de personnes qui vont signer leur pétition. Nous, nous sommes plus de 100 millions. Acceptons de signer cette pétition pour nous. Alors, on va voir si réellement, Bakolongolande qu'on a bison à Moussala, puisque tu vas signer pétition a été. Puisque plus nous signons la pétition, plus nous disons non, nous sommes contre. Si elle va quitter, allons voir que Bakoutia est médiocre, tant mieux. Mais si elle fait du bon travail, et sur base de l'influence d'un petit pays, je vous partage la pétition. Vous partagez la pétition. S'il y a des questions, vous posez aux organisateurs de la pétition. Ce n'est pas moi qui ai organisé ça, mais je participe à cette campagne pour que notre sœur trouve un soutien par rapport à cette histoire. Je vous partage ça dans les commentaires. Je partage ça, les liens dans les commentaires. Si vous cliquez sur ces liens-là que je partage, voilà, les liens sont là. Et dès que vous cliquez là-bas, moi j'ai déjà signé. Donc, vous verrez que vous cliquez, ça vous amène sur le site change.org, Deborah Kayembe, blablabla. Vous mettez votre nom, je pense, votre adresse email et je signe. Chers amis, Nalingi, Tozala, au moins 50 millions de Congolais qui signent cette histoire ici. Au moins 50 millions. Balinko Konzabiso, maman. Hein? Maman Rose Kabishi. Alobi Barwande Balingi Kokonzabiso Mokil Mobimba. En tout cas, s'ils ont eu du poids en RDC, jamais. Londres, Biso Toutosa Libanda, Biso Toutosa Bapay en Angleterre, rien ne va passer contre notre sœur, puisque les Rwandais veulent. Signons cette pétition-là, si vous avez une question. Je vais vous donner les contacts de ceux qui organisent, ceux qui ont organisé cette pétition. Moi, je n'ai fait que participer. Na solidarité, Nabiso, il y a Congo, que Moko Nabiso a un problème, nous devons la soutenir. Donc, dites-moi, j'ai déjà signé aussi. Ok, merci beaucoup, monsieur Congolo. Merci beaucoup. Alors, mais attention, les Rwandais, rapport mapping dans notre bossanayamote. Jour Nakobanda, session et émission sur rapport mapping. Nabi ke muto akozo pongi nanda kuna ye na Rwanda akozalate. Nana betela ngo penza setete. Jour na kovanda na lobi 7 semaines tozo beta masolo ya rapport mapping. Bon. Natiki na